Bloody Paris de Tito Topin. Je l'observe par-dessus l'écran de l'ordinateur. Ses cheveux noirs, souples, coupés à quelques centimètres au-dessus des épaules, s'agitent au moindre mouvement de la tête. Ses yeux sont de la même couleur. Le regard ne fuit pas. Son nez remonte légèrement de façon espiègle dans le prolongement du front. Son teint est mat, la peau bronzée, couleur de noisette. Ses dents, parfaites, éclatent dans une bouche mutine. La fossette au menton accentue le caractère enfantin du visage, cependant que toute son attitude est celle d'une femme. Pourquoi l'avez-vous tué ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Vous deviez avoir un mobile. Je l'ai tué, il n'y a rien à dire de plus. Si je vous demande ça, c'est par égard pour votre jeune âge, 15 ans. Certains mobiles comme des mauvais traitements, par exemple, peuvent vous valoir des circonstances atténuantes. J'ai jamais été maltraitée. Je mets pas en doute vos aveux, mademoiselle. Mais il importe aussi de savoir pourquoi vous l'avez tué. Et si c'est pas à moi que vous le dites, ce sera au juge d'instruction. Et si c'est pas au juge, ce sera au tribunal. Donc autant le dire tout de suite. Pourquoi ? Vous voulez savoir pourquoi ? Je l'ai tué parce que je suis la veuve de mon père. Ça vous va comme réponse ? Cette gamine te rend malade depuis que tu l'as arrêtée. Il te faudra une bonne analyse. Décidément, tout le monde me croit ma boule. Est-ce qu'ils vont réparer les ascenseurs ?